Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, cette fois-ci pour la présentation d'une petite ferme à faire simple que vous pouvez faire en 1.14.4 ou toutes les autres versions de la 1.15, donc 1.15, 1.0, 1.1 ou 1.2 et même les snapshots de combat. C'est une ferme à faire qui utilise 4 cellules de villageois, donc elle est relativement facile à faire et rapide à faire aussi. Elle n'utilise pas de gros matériaux compliqués, il y a très peu de redstone. Vous pouvez la faire tourner sur les chunks du spawn de votre serveur, donc c'est-à-dire qu'elle pourrait tourner 24 heures sur 24. Et ben, c'est à peu près tout, ce qui est déjà franchement pas mal. Alors ce design est basé sur un design de Gnembone. Gnembone, c'est le créateur du Carpet Mod. C'est certainement, selon moi, l'un des meilleurs redstoneurs Minecraft. Ou plutôt, c'est plutôt l'un des meilleurs designers de fermes sur Minecraft. Et c'est un expert pour les fermes à faire, vraiment. Ça, c'est son design. C'est une ferme à faire qui est littéralement parfaite. Je pense pas qu'elle est plus optimisée. Elle est parfaitement optimisée au niveau des timings, du nombre de golems qu'elle peut spawner. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a une forme un peu asymétrique, parce qu'elle optimise au maximum le temps de spawn requis, enfin le temps requis pour qu'un villageois puisse spawner un golem. Après, elle est un petit peu, enfin, elle est un peu compliquée par moment, comme vous pouvez voir. Il faut respecter un petit peu la quantité de rails utilisés ici pour que le timing soit bon. Donc, je me suis amusé à designer une version beaucoup plus simple qui utilise seulement 4 cellules, contrairement à 10 ici. Tenez compte toutefois que 4 cellules, comme vous pouvez voir, ça spawn 4 golems toutes les 35 secondes environ, donc c'est largement suffisant. Et si vous la faites tourner encore une fois sur le spawn de votre monde, là, vous aurez dû faire en n'en plus quoi faire, franchement. Alors, je tiens à préciser qu'il existe toutefois des designs de fermes à faire comme celui-là qui sont encore plus simples. Mais le problème de ce genre de ferme à faire, c'est que le zombie ici... et la mécanique est la suivante. Donc vous avez 3 villageois. Ces villageois doivent dormir et pouvoir travailler. Et quand ces villageois sont effrayés par un zombie, ils spawnent un golem toutes les environ 35 secondes. Le seul problème avec ce genre de design, c'est que le zombie effraie en permanence les villageois, ce qui fait du lag, genre beaucoup de lag. Une ferme pareille crée littéralement beaucoup plus de lag que les deux autres fermes qui étaient sur l'autre monde avant que je vous ai montré. Alors qu'est-ce qui fait que ce design est justement mieux? Bien, le zombie, et d'ailleurs c'est ici un husk, parce que les husks résistent au soleil, donc c'est un petit avantage. Bien, tout simplement, ce zombie ou husk est dans un minecart, donc il va seulement une fois près des villageois les effrayer, ça spawn les golems, et puis après il repart. Du coup, l'avantage, c'est que vous avez beaucoup, beaucoup moins de lag, vraiment. Comme j'ai dit, cette ferme-là, plus cette ferme-là, à L2, cause beaucoup moins de lag que la ferme que je vous ai montrée avant. Et c'est quand même assez important d'éviter le lag sur votre monde, surtout si vous faites tourner cette ferme au chunk du spawn. Un autre avantage aussi, c'est qu'elle est facilement désactivable, comme je vous ai montré. Donc si vous voulez arrêter tout simplement la génération de fer, vous pouvez le faire simplement. Et elle est juste, selon moi, mieux designée en fait. Ok, alors je vous propose de la commencer. Il y a un tout petit peu de redstone, vous allez le voir. Je vais vous montrer les blocs dont vous avez besoin, mais la redstone est très simple. Il y a aussi le circuit de minecart. Je l'ai simplifié par rapport à... un Gnembone, comme vous pouvez voir. Moi, j'utilise déjà beaucoup moins de Power Rail, donc c'est des rails d'or. Ici, j'en utilise 8 seulement, donc c'est très très peu. Vous pourriez faire cette ferme littéralement au tout début du jeu. Il faut juste un petit peu de quartz que vous trouverez très rapidement. Mais ouais, j'ai essayé de la rendre la plus simple possible et la plus facile à faire. Mais tenez compte qu'il y aura quand même un petit peu de redstone à faire. Je suis désolé pour ceux qui détestent la redstone. Du coup, voilà ce dont vous aurez besoin. Vous aurez besoin de 8 Power Rail, comme j'ai dit, un minecart, 36 portes en bois, ça peut être n'importe quel type de bois, ça peut être, prenez ce que vous voulez en gros, des 12 trappes d'or, n'importe quel type de bois d'ailleurs, pas en fer par contre, bah, vous pouvez les mettre en fer, mais c'est pas, le bois c'est plus facile. Il vous faut 12 fletching table. Alors ça c'est le truc, c'est le bloc de profession. En réalité vous pouvez prendre n'importe quel de bloc de profession qui est un bloc entier, donc il y en a plusieurs hein. Vous avez notamment la Blast Furnace, le Smoker ou la Cartography Table ou même le Barrel, même si le Barrel je le déconseillerais parce que c'est un inventaire techniquement. Vous prenez celui que vous voulez. L'avantage de la Fletching Table, c'est qu'elle est très facile à faire parce que c'est juste 2 flint et 2 bouts de bois. Donc, enfin 4 bouts de bois il me semble. Donc c'est très simple. Vous avez besoin de 4 comparateurs, c'est les seuls comparateurs que vous aurez besoin. 18 bouts de redstone, c'est très très peu. 5 torches de redstone, très très peu aussi. Un levier, c'est pour désactiver la ferme. J'ai mis 2 stacks ici de rails, mais de manière réaliste, vous n'en avez pas besoin d'autant. J'en ai mis un petit peu plus parce que vous aurez besoin d'amener des villageois, évidemment, dans les cellules ici. Donc, c'est plus facile de les amener via des minecarts, par exemple. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis un petit peu d'extra.
Vous avez deux détecteurs raids, très important, deux seaux d'eau pour mettre toutes nos lames d'eau, un seau de lave pour brûler les golems, et puis deux petits stacks de panneaux pour maintenir cette lave. Et au niveau des matériaux de construction, alors, c'est techniquement obligé d'utiliser du verre parce qu'il vous faut un bloc non spawnable ici, qui accepte d'avoir un rail par-dessus, donc ça peut être n'importe quel bloc de verre. Toutefois, il y a d'autres endroits, par exemple ici, vous voyez, j'ai mis des blocs de verre. Là, en réalité, j'aurais pu mettre n'importe quel autre bloc non spawnable, tant que c'est un bloc, donc j'aurais pu utiliser des feuilles, par exemple. Mais bon, prenez 4 stacks de verre, vous serez tranquille. Il vous faut aussi des glass panels. Prenez-en 2 stacks, ça devrait suffire. Et 2 stacks de blocs solides aussi devraient suffire. N'importe quel bloc solide. Et puis après, il vous faut 12 lits, parce qu'il y a 12 villageois, évidemment. Et pour le stockage, le strict minimum, je dis bien le strict minimum, c'est 5 hoppers et 2 coffres, mais évidemment... vous allez vite manquer d'espace si vous restez là-dessus. Après, si vous faites juste la ferme avec ça, le strict minimum, vous allez avoir tellement de fer en même pas une heure que vous pourrez faire tout un système de stockage. Du coup, on va commencer. Cette ferme doit être dans les airs, pour information, parce que tout simplement, le golem, il ne faut pas d'espace de spawn pour le golem. Les golems peuvent spawner dans un rayon de 16 x 16 x 16 autour de ce villageois, qui peut spawner en haut là-haut, en bas ici. Donc, le mieux, c'est de mettre juste la ferme dans les airs. Comme ça, vous êtes sûr que le golem ne va pas spawner. Et il vous faudra aussi 12 villageois. Trouver un village, éventuellement. Ramener les villageois, peu importe. Ou reproduire des villageois entre eux. Pas très compliqué. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Vous allez commencer d'un point, peu importe. Tant que vous êtes à peu près au centre de votre spawn. À peu près là où vous spawnez, par exemple. Juste 30 blocs en haut. Et vous allez juste partir 40 blocs. Vous allez juste faire une ligne de 40 blocs de verre. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3. 38, 39, 40. 40 blocs. C'est la largeur de notre ferme. C'est littéralement la ligne de blocs de verre que vous voyez ici jusqu'au bout. Comme j'ai dit, j'ai simplifié au maximum pour que ce soit facile à faire pour vous. Ensuite, vous allez revenir au début de votre ligne. Et peu importe du côté où vous vous mettez, gauche ou droite, peu importe. Vous allez juste partir comme ça et puis commencer à monter, faire un petit escalier. Vous devez monter de 8 blocs. Donc là, ça fait 1, 2, 7 et 8. Et puis après, vous retournez au-dessus de l'ancien chemin. Comme ça, en fait, si vous voulez rendre le chemin moins dangereux pour un zombie normal, parce que moi, j'utilise un husk, je vous conseille toutefois le husk, c'est très facile. Si vous voulez le rendre, on va dire, moins dangereux pour le zombie en mettant des blocs solides au-dessus de sa tête pour pas qu'il brûle, ben, c'est plus facile parce que du coup, le chemin, comme vous pouvez voir, fait un seul bloc de large et c'est plus facile à couvrir. Du coup, vous allez juste continuer en parallèle avec le chemin en bas et jusqu'au moment où l'autre chemin en bas se termine. Donc, vous voyez, il se termine à peu près ici. Donc, vous terminez au même endroit. Ensuite, ici, vous pouvez faire une petite tour de bloc qui monte. Pas vraiment hyper important, mais ça permet juste au minecart de glisser contre. Et vous allez enlever ce bloc ici. Et ça, c'est le circuit de minecart de notre zombie. Comme vous pouvez voir, relativement beaucoup plus simple que celui de Gnambone. Même si évidemment c'est pas le même genre de ferme, mais au moins là c'est, je vise la simplicité. Ensuite on va commencer à mettre un petit peu les cellules de nos villageois. Donc à partir du bout ici où il y a la tour, vous allez aller 9 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et à partir de là, c'est là où on va avoir les deux cellules de spawn de nos deux villageois. Et pour information, elles sont séparées d'exactement 5 blocs. C'est très important ces 5 blocs. Donc si vous regardez ici, 1, 2, 3, 4. 5. C'est tout simplement la portée à laquelle peut effrayer le zombie un villageois. D'autres mobs peuvent les effrayer de plus loin, mais notre zombie, c'est très important qu'on respecte ces 5 blocs. Donc là, ça fait 5 de chaque côté. Voilà. Et du coup, là, vous allez prendre votre bloc de profession. Alors, je vous dirais de ne pas les mettre tout de suite, parce qu'il vaut mieux les mettre quand vous allez mettre les villageois à chaque fois. Donc en attendant, moi, je vais juste mettre un bloc, on va dire, temporaire que je sais que je devrais remplacer. Par exemple, je sais pas moi, du granit que j'ai vu. Voilà. Ensuite, il faut 6 blocs de verre comme ça derrière. C'est là où on va mettre les lits. Pourquoi des blocs de verre? Parce que encore une fois, si vous mettez des blocs solides, le golem pourrait spawner dans le lit, ce qui est un petit peu embêtant. Vous en mettez de chaque côté. Pour enlever ces blocs-là, d'ailleurs. Vous pouvez les garder en attendant... si vous construisez en survie, évidemment, il vous faut des blocs d'accès. Donc, je vous conseille éventuellement de garder un petit chemin d'accès qui vient sur le côté de votre cellule, par exemple comme ça. Ou alors même, venez un petit peu en hauteur. Comme ça, quand vous amenez vos villageois, vous pouvez les amener via minecart et faire tomber le minecart ici directement.
ce qui est très important. Donc vous voyez là, donc, par exemple moi ici je pourrais les faire venir par ici sur le côté via un minecart. Comme il y a des blocs de verre ici, ils ne prennent pas de dégâts, le minecart tombe dans la cellule, j'enlève le minecart, le villageois spawn évidemment ici, très important. D'ailleurs on peut les mettre, donc on va juste monter deux de haut plus un troisième bloc. On va faire un petit anneau comme ça. C'est ce qui permet aux villageois de ne pas pouvoir sortir de leur cellule et aller sur leur lit. Parce que s'ils vont sur leur lit, ils seront trop loin du zombie pour le voir. Et ensuite, peu importe les blocs que vous mettez là, c'est juste pour mettre notre petite trappe d'or. Vous en mettez trois comme ça, dessus le bloc. Et en gros, ça empêche le villageois de passer. Vous pouvez toujours passer d'ailleurs. Mais le villageois, lui, ne pourra plus sortir, surtout quand il y aura les lits de ce côté-là. D'ailleurs, les lits, vous pourrez les mettre maintenant. Mais ce que je vous dis vraiment de faire, c'est... Vous faites les cellules une par une. Après, je vous dirai quand les faire. Et en gros, vous mettez les trois blocs de profession, les trois lits en même temps. Et vous faites une cellule, vous mettez les trois villageois dedans. Puis vous passez à l'autre cellule, et puis à l'autre cellule, puis à l'autre cellule. C'est beaucoup plus simple parce que le problème, c'est si vous mettez un bloc de profession ici et que vous amenez un villageois là, peut-être que ce villageois, ça arrive, va se dire « Hey, c'est mon bloc de profession ici !» Donc c'est juste pour éviter des problèmes. Vous répétez la même chose en face, évidemment, dans l'autre sens. Alors, vous pouvez juste faire deux cellules, ça suffira. Hein. Du coup, on aura la moitié de cette ferme qui n'existe pas vraiment. On aura toujours le circuit de minecart. On aura la moitié de la ferme qui n'existe pas. Donc, c'est une version plus simple. Si vous voulez vraiment aller au plus vite, vous pourrez toujours désactiver cette ferme et la continuer. Mais si vous voulez continuer, vous pouvez partir d'un de ces blocs-là et vous partez de 19 blocs en comptant celui-là. Donc, ça fait 1, 2, 3, 18, 19. Et normalement, le 19e bloc, c'est... Le bloc que vous voulez garder, c'est le bloc qui est juste ici à côté de nos blocs de spawn. Donc, on va les mettre à nouveau. On en a trois comme ça. Un petit cercle. Et c'est exactement la même chose. Donc, l'endroit où les lits peuvent se mettre. Et puis, on met les trappes d'or. Et évidemment, juste en face, on met la même cellule avec cinq blocs toujours d'écart. Très important. Vous pouvez enlever d'ailleurs les blocs entre ces deux trucs-là. Après, moi, je vous conseillerais de peut-être les garder pour vous servir de chemin pour faire passer encore une fois le minecart pour mettre vos villageois dans la petite cellule parce que vous devrez le faire à la fin. Donc ça, c'est bon au niveau de ces cellules. Maintenant, on va mettre la redstone. Elle n'est pas très compliquée et on va mettre les minecarts en même temps. Les power rails, d'ailleurs, sont à des endroits très stratégiques. Vous allez le voir. Donc il y en a un toujours ici. Donc pour l'activer, d'ailleurs, il vous faudra... une torche en redstone à côté. Vous pouvez utiliser aussi des leviers si vous n'avez pas trop de torches en redstone. Il y a aussi le levier ici pour désactiver justement la ferme. Et pour information, comme vous pouvez voir sur mon design, j'ai mis le rail de ici avec un angle pour la simple et bonne raison quand le minecart tombe, il repart comme ça dans ce sens-là. Et pour faire ça, vous pouvez juste mettre vos rails d'abord. Il faut les mettre ici d'abord, sinon vous allez l'update. Vous enlevez un bloc ici, vous mettez un autre rail, vous mettez votre power rail ici. Un bloc là pour refermer et c'est bon. Et pour information, l'update via un levier ne va pas l'enlever comme il est ici. Par contre, si vous remettez le rail ici, ça va le remettre à plat. Donc, ça va être un petit peu problématique. Donc, la redstone commence toujours deux blocs avant la cellule. Donc, vous voyez que la cellule est ici, elle commence ici. Donc, vous enlevez deux blocs et vous pouvez même enlever jusqu'à trois blocs ici. On les remettra si on en a besoin. C'est la même chose ici d'ailleurs, deux blocs, enlever trois blocs. Je vous conseillerais de faire les deux redstone en même temps, ce sera plus simple, comme ça vous pouvez faire tout d'une traite. Donc vous descendez d'un bloc ici, vous mettez 6 blocs, tout simplement. Il y en a un en trop, mais c'est pas grave. Vous avez un bloc solide ici, peu importe le bloc solide, tant qu'il fait passer de la redstone. Vous avez un autre bloc solide ici, et vous avez enfin un bloc solide ici en diagonale. Et puis après, vous pouvez juste remplir de blocs de verre comme ceci. Et du coup, vous faites la même chose en face. Et au final, vous avez à peu près fini. Maintenant, on prend la redstone, évidemment. Donc, il vous faut un peu de redstone, des comparateurs et aussi une torche en redstone. C'est tout ce dont vous avez besoin. Vous avez un comparateur qui va dans ce bloc. Vous avez un comparateur dans l'autre sens ici. Un qui va dans le bloc, un qui en ressort. Vous mettez de la redstone de chaque côté ici, à chaque bloc disponible, on va dire. Donc, il y en a trois. Et puis, vous mettez une torche derrière ce bloc solide, celui qui est le plus bas, de chaque côté, évidemment. Et maintenant, on a juste à mettre des rails par-dessus tout ça. Donc, je vous rappelle qu'on avait besoin d'un détecteur rail. On en a besoin de deux pour chaque partie de redstone. Et en gros, vous allez le mettre sur ce bloc solide. C'est là qu'on détecte si le zombie est passé pour le bloquer, en fait. Donc, vous allez mettre des rails normaux jusqu'ici,
2, et on va remettre notre bloc ici maintenant, vu qu'on en a besoin. 2 power rails seulement, 2, c'est le strict minimum qu'il vous faut, et puis après, vous pouvez juste mettre des rails normaux. Et encore une fois, un détecteur rail ici, des rails normaux jusqu'au-dessus, 2 power rails, on va remettre le bloc, et puis ensuite, vous avez des rails normaux. Ah, ici d'ailleurs, oui, j'avais oublié, j'ai fait un escalier comme ça, vous pouvez enlever maintenant le bloc qui est en trop, voilà, comme ça. Et d'ailleurs, vous pouvez arriver ici plutôt. Ah, donc, vous enlevez juste le bloc qu'il y avait en trop, parce que le problème, c'est qu'ici, évidemment, le circuit de minecart va retourner dans l'autre sens. Et vous n'auriez pas la place de tourner si le bloc était comme ça, parce que vous voyez, ça fait... Ça ne marche pas, ça. Donc, vous pouvez juste enlever un bloc dans votre escalier. J'espère que vous avez fait l'escalier comme j'avais fait avec deux blocs. Petite erreur de ma part, désolé. Du coup, vous avez un autre bloc aussi ici. C'est là qu'on va mettre notre torch redstone, parce qu'on a un seul booster rail ici, au tout début, et puis après, vous mettez des rails normaux. Pourquoi on booste pas le zombie jusqu'en haut? Parce que tout simplement comme ça, ça lui fait prendre plus de temps là, en particulier, pour faire tout le circuit. Et du coup, ça lui prend 38 secondes, j'avais calculé. Ce qui est un peu plus que 35 secondes, mais du coup, c'est parfait pour justement faire spawner nos golems. D'ailleurs, on a un power rail qui est un endroit très particulier ici, comme vous pouvez voir. En temps normal, ce serait pas important, mais c'est juste que c'est très important parce que le zombie vient très lentement ici. Et du coup, j'ai calculé le temps. Donc pour trouver ce bloc, pour information, normalement c'est au milieu des deux cellules de spawn, donc c'est à peu près celui-là, si je ne m'abuse, à peu près au milieu. Tant que vous êtes au milieu, c'est bon, vous le verrez très facilement normalement. Et dans le pire des cas, si vous voulez pas regarder où est le milieu, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12e bloc. Donc 1, 2, 3, 11, 12e bloc, donc j'avais bien trouvé le milieu. Mettez une petite torche de redstone, un power rail, et puis vous pouvez remplir de rails ici normaux jusqu'au bout. Et sur le dernier bloc, nous avons le dernier power rail qu'on avait déjà mis. Et celui-là permet juste aux zombies de booster contre le bloc ici, parce que des fois, ils s'accrochent sur le bord ici, c'est un peu particulier. Vous pouvez mettre un parafoudre pour vos villageois. Et ce parafoudre, vous pouvez juste le mettre à cette hauteur ici, à la même hauteur que le rail, donc c'est plutôt pratique. Et vous avez juste besoin de couvrir tous les blocs où les villageois pourraient être à côté. Donc ça fait à peu près une zone de cette taille. Maintenant, on va faire les spawning pads de nos golems. Donc pour cela, nous allons descendre de 5 blocs. Donc à partir de ce bloc ici au milieu, à chaque fois, on verra. Vous allez descendre de 1, 2, 3, 4, 5. Et donc ça, ça va être notre mur qui empêche les golems de tomber. Donc ces 3 blocs-là, vous pouvez les enlever. Et ensuite, vous allez prendre n'importe quel bloc solide qui vous convient. Moi, j'ai utilisé ça par exemple. Et vous allez le mettre encore un bloc en dessous, comme ici. Et ça, ça va être notre zone de spawn. Du coup, elle fait 4 blocs de profondeur, comme ceci. Et elle fait 9 blocs de large. Donc, c'est 4 blocs sur chaque côté du centre ici. Donc, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Et puis, vous pouvez remplir de blocs. Et puis après, vous pouvez mettre une petite rambarde en bloc de verre, très important, qui va jusqu'ici. Et là, sur les côtés, malheureusement, vous allez devoir utiliser... Enfin, peut-être pas malheureusement parce que ça coûte moins cher. Vous allez devoir utiliser des glass panels. Parce que tout simplement, le golem peut spawner ici. Et le golem fait 2 de large. Donc s'il spawn ici et qu'il dépasse sur ce bloc-là, si vous mettez des blocs, il va être coincé. Donc là, avec les glass panels, il n'est évidemment pas coincé. Vous allez jusqu'ici au centre. Même chose de l'autre côté. Pour le spawning pad d'en face, ça va être plutôt simple. En réalité, vous avez besoin de juste traverser 3 blocs. Donc c'est là où ils peuvent tomber. Et vous pouvez enlever ces 3 blocs. Et là, c'est encore une fois 4 blocs de large. Donc 1, 2, 3, 4. Et 9 blocs. Enfin, 4 blocs de profondeur et 9 blocs de large. Donc la même chose qu'en face. Et pour vérifier que vous êtes bien au bon endroit, évidemment, vous pouvez par exemple vérifier via le bloc ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez, hop, ça correspond parfaitement. Nous avons notre rambarde. D'ailleurs, vous pouvez faire la même rambarde ici. Et ça, vous allez le faire, ce spawning pad. Vous allez faire la même chose juste ici. De la même manière, donc vous descendez encore une fois de 5 blocs ici et vous faites exactement ce que je vous ai montré. Et n'oubliez pas de mettre la rambarde pour nos golems. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, vous pouvez prendre des portes barrières. Vous allez mettre à partir d'ici, en survie c'est le plus facile de faire comme ça. Vous les mettez depuis le mur, tac. Vous les ouvrez, ne pas oublier, sinon le golem ne pourra pas passer. Et puis vous pouvez faire la même chose en face. Peu importe d'ailleurs dans quel sens elles sont, le seul but de ces portes barrières, c'est d'empêcher évidemment l'eau de tomber. D'ailleurs, si ceux qui se demandent pourquoi le spawning pad n'est pas plus large, vous allez dire « Ah, ça spawnerait pas les golems plus facilement ?» Non, le truc c'est plus vous le faites grand, plus il faudra du temps au golem pour qu'il tombe. Et il y a un ratio à respecter, très important. Et
évidemment, le ratio qu'on a actuellement est le plus optimisé, vu qu'il vient certainement d'une des personnes les plus qualifiées pour designer ce genre de ferme. Donc ouais, on va le respecter. Vous pouvez prendre vos deux sources d'eau et vous pouvez juste faire full source d'eau infinie. Alors lui, il utilise des dalles. Moi, j'utilisais des blocs, comme vous avez montré. Parce que si vous utilisez des dalles, le problème, c'est si vous visez le sol, vous allez mettre de l'eau dans la dalle, ce qui est très embêtant. Donc voilà pourquoi moi, j'utilise des blocs personnellement, beaucoup plus simple. Et vous en mettez de chaque côté. Juste une lame d'eau, toute la largeur, full source d'eau d'infini. Et voilà, on a déjà une bonne grosse partie. À ce moment-là, vous pourriez... Bon, on va finir la zone de kill avant de mettre un petit peu tout. Mais vous pourriez déjà mettre les villageois maintenant. C'est juste que, selon moi, c'est plus intéressant de les mettre à la fin. Maintenant, on va juste faire un dernier truc qui est évidemment important. C'est ça, la zone de kill. Alors, en réalité, vous pouvez juste les faire tomber d'une vingtaine de blocs minimum. Et après, honnêtement, vous les tuez comme vous voulez. Vraiment. Mais évidemment, moi, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé ici. C'est plutôt simple. Donc encore une fois, on descend d'une vingtaine de blocs. En vrai, le strict minimum que vous pouvez descendre, c'est 14. Donc c'est genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et ça, c'est le sol de votre zone de kill. Après, plus de blocs ne fait pas de mal. Donc faites comme vous voulez. Mais moins de blocs, par contre, va poser problème. Et cette zone, ce petit chemin d'eau fait, pour information... donc les trois blocs de large de la zone de chute et un bloc en plus de chaque côté. Donc vous voyez, j'ai un bloc ici et un bloc ici. Pourquoi? Parce que les golems, des fois, tombent un petit peu en travers et du coup, c'est juste mieux d'avoir une zone un petit peu plus large juste pour être sûr. Donc ça part du bord de cette zone de chute et vous pouvez aller le faire aller jusque là. Que des blocs solides et ça va être vraiment l'endroit où les golems vont se balader pour mourir. Et en plein milieu, évidemment, on aura la ligne de hopper afin de récolter nos loot. Alors pour éviter que les golems fuient de cette zone, évidemment, vous devrez mettre des blocs sur les côtés. Vous n'êtes plus obligé d'utiliser des blocs de verre. Par contre, ici, vous pouvez utiliser des blocs solides, par exemple, avec des dalles par-dessus. Assurez-vous que ça fasse minimum 2 blocs de haut, toutefois, afin d'éviter que le golem puisse passer par-dessus. Donc ça suffit amplement. Et comme je dis, vous pouvez utiliser du verre ou des blocs solides, ça revient exactement au même. Le seul endroit où vous devez un petit peu respecter, c'est que ici... Le golem peut être des fois à moitié sur ce bloc-là, donc là, vous devez conserver votre mur en glace panel ici. Vous pourriez utiliser d'ailleurs à la place des glace panels sans problème des barrières, par exemple. Après, bah, c'est un peu comme vous voulez, en fait. Et là, vous pouvez juste faire toute la largeur, comme ça fait un petit peu plus beau. Voilà. Et ça va vous donner un petit truc comme ça. Et du coup, évidemment, muret de chaque côté, tout autour, et vous répétez la même chose de l'autre côté. Et voilà, du coup maintenant on va faire des lames d'eau et j'ai oublié de le dire, il fallait quelques plaques de pression en pierre comme ça. Ça permet juste de vous les mettre au bout de la lame d'eau puis vous remettez de l'eau et comme ça en fait comme le golem fait 2 de large, lui il va passer par dessus et continuer son chemin. Bon c'est pas un truc hyper dur à farmer donc ça devra aller. Et vous mettez une lame de chaque côté comme ceci et l'endroit qui se marque au milieu clairement ici. Déjà normalement c'est l'endroit où vous avez votre torche tout au-dessus, très important. Profitez-en pour revérifier, pour être sûr. Et c'est aussi l'endroit où vous allez mettre les hoppers, tout simplement, pour récolter nos blocs. Donc je vais juste mettre un bloc ici, parce que j'ai pas envie que l'eau saute, enfin l'eau coule de partout. Et on va mettre 5 hoppers par la largeur, pour récupérer les blocs. On va voir, c'est parfait, comme ceci. Du coup, maintenant, on va faire notre lame de lave. Donc la lame de lave doit être située... Alors vous pouvez mettre des panneaux ici pour empêcher qu'il y ait de l'eau ici, parce que les items flottent un petit peu par-dessus. Pas hyper grave, vous pourriez mettre aussi par exemple, je sais pas moi, pas des plaques de pression, vous pourriez juste mettre une ligne de glace panel comme ça par au-dessus. Ça empêche juste, vous voyez, ça permet aux items d'arriver contre et de tomber dans les hoppers directement. Et aussi les golems comme ça restent coincés contre. Pas vraiment hyper nécessaire. Moi je le fais en glace panel, vous pouvez mettre defense gate ou autre chose, ça suffit amplement. D'ailleurs ici on va juste rehausser un petit peu le mur parce que nous allons mettre la lave de ce côté là. Donc la lave va être située en plein milieu ici, du coup pour qu'elle coule de chaque côté, nous allons mettre quelques panneaux. Alors le strict minimum de lave qu'il vous faut, c'est une source de lave et vous pouvez la faire couler jusqu'à 3 blocs, donc 3 panneaux de chaque côté. Et évidemment, vous devez l'empêcher de couler sur tous les côtés ou sinon vous allez avoir des problèmes. Nous on va la faire couler exprès toutefois de tous les côtés parce que
c'est pas très gênant. Donc je vais juste mettre plein de panneaux comme ceci. Tac, je vais pas m'embêter. Et normalement, si vous mettez une petite source de lave en plein milieu de cet endroit, vous devriez avoir une magnifique, on va dire, lame de lave qui fait toute la largeur. Nickel. Il y a des panneaux entrants en réalité, mais au moins ça fait plus esthétique comme ça. Donc là, les golems vont rentrer dans la lame de lave, mourir. Leur loot, d'ailleurs, spawn au niveau de leurs pieds, donc ne vous inquiétez pas, les loot ne brûlent jamais. Si vous entendez des bruits de trucs qui brûlent, c'est le golem, tout simplement. Et vous allez les récupérer automatiquement dans les hoppers. Et du coup, vous avez juste à mettre un coffre derrière ce hopper. Et c'est bon, vous pourrez récupérer les loot comme ça. Donc, je vous conseille de faire tourner la ferme avant de faire un vrai système de stockage. Comme ça, ça vous donne du fer pour faire votre système de stockage, c'est pas plus mal. Maintenant, vous allez mettre les villageois. Donc je vous conseille encore une fois les villageois en premier. Donc encore une fois, nous allons mettre les trois blocs de profession au moment où on doit mettre les villageois. Je vous conseille vraiment de faire ça, c'est ce qui marche le mieux. Vous devez mettre trois bouts de redstone par-dessus pour empêcher le spawn des golems à cet endroit. Et puis après, vous mettez n'importe quel lit, peu importe la couleur que vous voulez. Moi, je vais mettre du rouge, tiens. Toutefois, très important, la tête du lit doit être située au niveau des blocs ici où seront les villageois. Très important, obligatoire même. Donc pour faire venir les villageois, je vais vous montrer un petit peu d'ailleurs. Vous pouvez les faire venir sur le côté ici, comme je vous ai dit. Pas par le dessus, sinon ils vont passer sur le lit et se sauver. Donc vous avez juste besoin d'un minecart. Faites venir les villageois d'un village ou autre chose. Vous pouvez mettre votre rail de minecart ici. Donc moi par exemple, on va imaginer que ça c'est mon villageois, comme vous pouvez voir. Voilà, il est dans le minecart maintenant. Et vous pouvez aussi enlever ce bloc là. Et normalement, il devrait prendre automatiquement la profession. Faites venir des villageois qui sont sans profession. S'ils ont déjà une profession, c'est pas ce que vous voulez. Il vous faut des villageois sans profession. Et normalement, il prendra automatiquement. Vous enlevez le minecart. Et c'est bon. Et vous en amenez un deuxième, un troisième. Et puis c'est bon. Vous enlevez tout ça pour fermer. Et voilà, vous aurez vos trois villageois. Donc moi, je vais juste les mettre comme ça. C'est une couleur rapide. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis de faire chaque cellule l'une après l'autre. Comme ça, vous êtes sûr. Vous pouvez vérifier déjà qu'ils vont chacun bien dans un lit. Ok, c'est nickel. Ben voilà, cette cellule est clairement complétée. On peut passer à la prochaine. Du coup, 3 lits, 3 blocs de profession. Avec de la redstone toujours par-dessus pour empêcher le spawn des golems. Très important, ne l'oubliez pas. Ou sinon, vous allez vous choper un golem ici. Je peux vous le garantir que ça arrivera. Et que vous allez être un petit peu triste. Donc moi, j'ai mis tous mes villageois. Ils vont prendre leur profession, peut-être. Bon, ils ont dormi, c'est ce qui compte. Et donc, j'ai fait mon petit cycle. On va repasser le jour. Vous pouvez dormir dans votre lit, ça ne pose aucun problème. Les villageois dorment avant vous, donc vous pouvez dormir au moment où vous pouvez dormir dans le jeu. Ils auront déjà dormi avant vous, à coup sûr. Et normalement, voilà, ils sont tous dans leur cellule, c'est génial. Peut-être des fois, ils se mettent l'un par-dessus l'autre, c'est pas très grave, ne vous inquiétez pas. C'est le moment d'ailleurs, enlevez tous les blocs qui ne servent à rien. Et le dernier truc que vous devez amener, c'est votre zombie. Vous le faites venir, par exemple, ici, sur cette partie supérieure. Comme ça, vous pouvez le faire venir tranquille. Et je vous recommande chaudement le husk, parce que le husk ne brûle pas au soleil. Toutefois, si vous n'avez pas trop le choix... Ben, le truc, c'est que vous devrez mettre... Alors, il faudra évidemment ne pas mettre de blocs solides à portée de ces villageois, sinon le golem va spawner dessus. Donc, il faudra monter beaucoup plus haut, par exemple cette distance-là, et mettre, par exemple, des dalles. Donc, ces dalles empêcheront le zombie de brûler. Donc, il faudra juste mettre des dalles par-dessus chaque bloc de rail que vous voyez pour éviter qu'il brûle. Ou sinon, vous utilisez le husk et vous évitez tous ces problèmes. Aussi, il vous faudra un zombie qui ne peut pas despawner. Donc, le mieux, c'est de leur donner des blocs. S'il attrape le bloc, c'est que c'est un zombie voilà, qui ne peut plus despawner d'un coup. Donc, lui, il est bon. Ou alors, si vous avez la flemme de faire ça, vous pouvez renommer tout simplement un zombie avec un name tag. Jean-Luc. Voilà, parfait. On le met là, on le renomme. Bon, vous le faites venir en minecart, hein, peu importe. Ce sera plutôt simple. Et puis après... On va mettre moi dans mon minecart. Et vous le faites aller dans ce sens-là. Hein. Donc il doit tomber ici et puis commencer à aller là. Et normalement, si tout va bien, voilà, notre ferme fonctionne. Et s'ils ont fait un cycle, hein, vos villageois doivent avoir fait au moins un cycle. Vous voyez là, il a spawné sur le bord par exemple. Et normalement, si vous avez bien respecté les distances aussi, ce zombie devrait pouvoir atteindre le bloc de power rail ici et repartir à pleine vitesse. C'est très lent, donc ne soyez pas étonnés. C'est pour que ça fasse 35 secondes. Voilà, petite ferme à faire, simple et efficace. Enfin, c'est plutôt une assez grosse ferme à faire en réalité, mais selon moi, elle est très simple à faire. Ça prend juste un petit peu de temps, mais c'est bon, ça va. Maintenant, vous allez accumuler énormément de fer. Donc, attendez-vous à devoir venir souvent ici pour crafter.
J'ai personnellement... Vous pouvez faire un truc où vous mettez les coffres au-dessus d'une lame d'eau, comme ici. Vous cassez tous les coffres, puis tout le fer vient à vos pieds. C'est plus facile pour crafter des blocs, par exemple. Peu importe, faites votre système de stockage comme vous le pouvez. Un truc que je vous conseille, tout simplement, c'est de faire un filtre ici à la sortie pour les fleurs. Vous les faites aller dans un composteur pour faire de la bone meal. C'est pratique, comme ça. Et après, tout le reste part dans les coffres pour stockage de fer, parce que vous aurez que du fer pour le reste. Mini mise en garde, si vous êtes en 1.14.4, des fois il y a des bugs de pathfinding, il me semble avoir déjà dit, mais des fois un villageois va perdre son bloc de profession ou il saura plus dans quel lit il devait dormir. Ça arrive, et vous ne pouvez pas faire grand chose, à part peut-être essayer de reset le villageois. C'est un petit peu embêtant. En 1.15, vous avez aucun de ces problèmes, ça marche parfaitement à chaque fois parce que ça a été fixé en 1.15 justement. Et sinon, deux fois de temps en temps aussi, vous verrez un villageois qui ne veut pas dormir tout de suite. C'est pas grave, il finira par dormir, ne vous inquiétez pas. De temps en temps aussi, ça peut arriver qu'il y ait un seul golem qui spawn dans une des deux cellules. Enfin, quand il y a deux cellules. Donc, vous voyez là, on va avoir deux golems. Des fois, c'est très rare, mais c'est... Des fois, ça arrive qu'on en avait qu'un, parce que peut-être qu'il y a eu un petit problème, peut-être qu'un des villageois n'a pas eu le temps de dormir à temps ou autre chose. Ne vous inquiétez pas. En temps normal, moi, de tout ce que j'ai testé, vous avez toujours deux golems à chaque fois. Et comme vous pouvez voir, ça produit toujours. Celle-là produit toujours. Celle-là aussi, évidemment, continue de produire. On voit les golems ici en train de brûler. Et donc, ouais, ça marche. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo ultra longue. Je suis désolé d'avance, mais bon, c'était pour vous montrer comment exactement ça marchait et comment la faire. J'espère que vous avez bien apprécié ce genre de vidéo. Vous voyez, là, j'en ai eu qu'un, par exemple. De temps en temps, ça arrive. Ah bah, le deuxième a spawné directement. Bon, c'est nickel. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous l'avez trouvé pas utile, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et si vous avez des réactions ou autre chose, vous pouvez laisser un commentaire. Je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, ciao.